Bonjour. Vous avez passé un bon déjeuner. I hope you enjoyed your lunch. Je vais essayer, si vous me permettez, de modérer ce panel en français. Alors, on va commencer. Bienvenue à la séance plénière numéro 4 de l'après-midi, dynamique de la criminalité transnationale organisée. Nous avons trois objectifs pour ce panel aujourd'hui. On va essayer de décrire les tendances et les niveaux des diverses formes de criminalité transnationale organisée et des réseaux criminels pertinents qui opèrent en Afrique d'abord. Nous espérons aussi, par les présentations, de mieux comprendre les moteurs de la criminalité transnationale organisée en Afrique, ainsi que ses conséquences sur la gouvernance, la stabilité et le développement économique. Et enfin, nous espérons vous aider à évaluer les mérites des éléments potentiels de la réponse de l'État à la criminalité transnationale organisée, et en particulier faire une analyse du rôle des dirigeants du secteur de la sécurité dans la promotion d'approches qui sont centrées sur les citoyens, sur les communautés et qui se focalisent aussi sur la coopération interagence et régionale. Quelques petits mots d'introduction. La CTO, la criminalité transnationale organisée, est un problème de sécurité croissant en Afrique, bien sûr. Il existe de nombreuses formes de la CTO en Afrique, perpétrés par des acteurs étatiques et non étatiques qui ont des liens plus ou moins étroits entre eux. Il y a la traite des êtres humains, le trafic d'armes et la criminalité liée aux ressources non renouvelables qui sont, selon l'indice du programme ENACT, les trois marchés criminels les plus répandus sur le continent. Mais les types de CTO qui touchent le plus la société et l'État, il y a des différences pays par pays, localité par localité, n'est-ce pas? Il y a également le trafic de la drogue, le cocaïne, le tramadol sur la côte ouest en termes de tendance, l'héroïne sur la côte est en termes de tendance. Il y a le passage des clandestins. Il y a les crimes de faune et de la flore. Et il y a aussi d'autres formes qui touchent sur des différentes parties du continent. Alors, on va en discuter aujourd'hui. Dans l'ensemble, nous pouvons remarquer que la pandémie de COVID-19 a renforcé la capacité des acteurs étatiques qui facilitent la CTO à le faire avec des mesures moins restrictives en matière de gouvernance responsable. En outre, la CTO et l'instabilité politique continuent de se renforcer mutuellement et les éléments commerciaux, criminels et corrompus de la CTO favorisent une économie politique parallèle qui souvent sape le développement économique et la légitimité de l'État. Alors, étant dit quelques mots d'introduction, je vais laisser le reste de l'analyse à nos distingués panélistes. Alors d'abord, avec nous aujourd'hui, nous avons M. Martin Eri. Il est coordinateur technique du projet ENACT. En anglais, ENACT, ça veut dire Enhancing Africa's Response to Transnational Organized Crime. En français, renforcer la capacité de l'Afrique à répondre plus efficacement à la CTO. Il est basé à l'Institut d'études de sécurité en Afrique du Sud. À ce titre, il mène des recherches et des analyses. Il coordonne et gère 5 observatoires régionaux de la criminalité transnationale organisée en Afrique qui surveillent les tendances et émet des recommandations et bien fournit une formation et une assistance technique dans ce matière. Précédemment, il a été chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité dans les domaines du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, de la radicalisation et de l'extrémisme violent en Afrique. Nous avons avec nous aussi Madame Nantene Koulibaly. Bienvenue, Madame Koulibaly. Elle est l'analyste de l'alerte précoce pour la CDAO à Abuja, au Nigeria.
À ce titre, Madame Koulibaly coordonne les projets liés à l'évaluation des risques et des vulnérabilités des États membres de la CEDEAO, notamment les évaluations des risques de conflit, les études sur les systèmes de conflit en Afrique de l'Ouest et la mise en place de mécanismes nationaux d'alerte précoce et de réponse. Depuis 2015, elle est l'analyste responsable du portefeuille Crimes et criminalité de la CEDEAO. Merci beaucoup à nos deux panélistes. Nous sommes impatients à avoir vos analyses de ce phénomène très important dans le domaine de la sécurité africaine. Je vais proposer notre format usuel, normal. D'abord, on va commencer avec une présentation par M. Martin Ery de 15 à 20 minutes. Puis, il y aura la présentation de Mme Nantine Koulibaly, 15 à 20 minutes aussi. Alors, Martin, je vais me tourner envers vous d'abord. Et dans votre présentation, je vous ai demandé si vous pouvez décrire les tendances en termes de criminalité en Afrique, les vulnérabilités à la CEDEAO pour les États africains. Quelles sont les grandes tendances ici? Surtout sur la base de votre indice de criminalité organisée du projet ENACT 2021. C'est une source de données qui est très utile que nous espérons aussi introduire à nos panélistes aujourd'hui en cas où ces données puissent être utilisées dans leurs travaux. Si vous pouvez aussi toucher sur les facteurs qui contribuent à la résilience des États et des sociétés à la CEDEAO, selon l'indice, il y a 12 facteurs de résilience. Quels sont ces facteurs? Et est-ce que vous avez des recommandations pour les acteurs du secteur de la sécurité en Afrique en termes de réponse? Est-ce que cela doit être contextuel? Et dans ce cas, quels sont les facteurs qui y jouent en termes de réponse? Merci beaucoup, Dr. Kelly. Mesdames et messieurs, mon copanaliste, madame Nantene, chers participants, bonjour, bonsoir de Pretoria. Je sais que chez vous, il s'est encore l'après-midi. En Afrique du Sud, nous préparons à nous coucher. Je voulais vous souhaiter un événement formidable. La criminalité organisée n'est rien de nouveau pour l'Afrique. Cela a vu ses débuts pendant l'ère coloniale et nous avons vu cela s'accroître dans la période post-indépendance. Ça a toujours fait partie de l'industrie de la guerre froide. Mais le remportement des conflits armés par le passé et le commerce et la science et la technologie, la mondialisation n'ont pas seulement mis la criminalité organisée bien à la lumière, mais aussi ont donné aux criminels des nouveaux outils pour s'agrandir. Le terme de criminalité organisée est un terme flou qui décrit une série d'activités criminelles qui peuvent ou ne peuvent ou pas nécessairement être liées. Mais néanmoins, elles partagent certaines caractéristiques. L'établissement des codes pénals qui font de sorte que ces activités soient illicites, elles commettent des crimes qui sont très adaptables. Il faut deux pour danser le tango. Alors, il faut au moins deux personnes qui soient impliquées dans le crime. Il faut que le motif soit un gain financier. Les acteurs criminels ont le désir d'argent. Ça, c'est leur but principal. Chaque crime opère comme un marché commercial avec chaque acteur ou bien qui fournit ou qui achète ou ceux qui sont entre les deux qui facilitent l'échange. Certains crimes
tels que le trafic des drogues, des personnes, sont internationales, mais certains crimes varient de région en région. C'est la même situation en Afrique. Cette variation est déterminée par les ressources naturelles, les régulations en place, l'économie informelle ou formelle et les opportunités variées. C'est l'existence de ces variations qui fait que tout essaie de définir cela, ou bien au niveau international ou continental, est difficile. La Convention de l'ONU contre la criminalité transnationale organisée ne définit pas vraiment le concept lui-même. Les conventions de l'Afrique contre cette criminalité à éviter vraiment de présenter une définition précise. La criminalité organisée est peut-être, à mon point de vue, la plus grande menace pour le continent. Vous pouvez peut-être me demander pourquoi on entend les gens ne meurent pas tous les jours de la criminalité organisée, mais en fait que oui, les médias n'en parlent pas. La criminalité organisée mène à la pauvreté, profite de la pauvreté et est une entrave au développement économique de l'Afrique. Et cette criminalité est en hausse. En 2009, la Banque mondiale pensait que les revenus dus à la TOC étaient de 1,2 milliard. Le PIB de l'Afrique à l'époque était presque 1,7 milliard de dollars. Deux années plus tard, en 2011, la Banque mondiale a estimé la valeur de la criminalité organisée à la somme de 3,3 milliards de dollars, une croissance de 50 %. Le PIB en Afrique n'avait pas beaucoup augmenté, par contre. Donc, l'économie informelle a repris. En 2021, on avait estimé que la somme avait beaucoup augmenté de la criminalité. Donc, c'était une augmentation de 4,8% du PIB. Les revenus est estimé à être entre 3,6 milliards à 4,8 milliards de dollars. Donc, nous voyons que l'économie de la criminalité organisée en Afrique, en fait, est beaucoup plus importante que le PIB des pays de l'Afrique. Alors, pourquoi ? Elle représente plus de un tiers de l'économie du continent. La criminalité organisée s'est infiltrée dans tous les secteurs de la société de l'Afrique. Nous voyons le niveau jusqu'à où cela a capté les pays de l'Afrique et l'économie. La pandémie du COVID-19 a vu de nouveaux réseaux criminels. Plus de 2 milliards de dollars qui ont été mis en place pour combattre le COVID a été les bandes criminelles en ont profité de beaucoup de cet argent. De nouveaux réseaux font la contrebande, même des organes, des personnes, et puis même ils en font des. Il y a la vente des vaccins qui sont des faux vaccins aussi. Et puis
les protocoles que nous avons vécus de rester chez soi, le confinement chez soi, le kidnapping pour des rançons, tout cela a beaucoup augmenté depuis la pandémie. Dans certains pays, les réseaux criminels ont pris des données importantes des gouvernements et ou même des entreprises privées pour des rançons, pour être payés en crypto-monnaie ou autre. Le COVID-19 a montré la souplesse et l'adaptabilité des forces criminelles en Afrique. Les ressources naturelles, la faune en Afrique, les rhinocéros, les éléphants et beaucoup de la faune sauvage font face à l'extinction maintenant. Les ressources naturelles ont été volées et beaucoup de gens en sont morts et la pauvreté s'est accrue à cause de cela. Néanmoins, la criminalité est souvent pas rapportée comme il devrait être. Il y a un manque de sensibilisation, il n'y a pas de stratégie, de politique en place pour ce faire. Et puis, au niveau régional et continental, on n'est pas préparé à ce faire. L'approche actuelle à la criminalité organisée, que ce soit au niveau opérationnel, est fragmentée. L'Union africaine, les communautés régionales ont choisi une approche de combattre ceci de façon déconnectée des stratégies, des plans d'action, des conventions, des protocoles ont été adoptés pour des questions de criminalité organisée, telles que pour les armes légères, le trafic des êtres humains, la cybercriminalité, le crime contre la faune, etc. Mais ces stratégies n'ont pas réussi parce que ces mêmes acteurs, ces mêmes groupes, ces mêmes individus qui font le trafic des armes font aussi le trafic des stupéfiants, de la faune sauvage. Si on les arrête de faire le trafic des armes, ils se tournent vers le trafic des drogues. Il faut donc des mesures holistiques pour mettre fin à tout cela. C'est dans ce contexte-là que l'Union européenne a décidé en 2016 l'établissement du projet ENACT, donc favoriser la réponse de l'Afrique à la criminalité transnationale organisée. Ceci a été mis en place par un consortium de trois organisations, l'Institut pour les études de la sécurité, Interpol, et l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Depuis 2017, l'ENACT a utilisé des preuves, des recherches basées sur les preuves pour renforcer les capacités, une assistance technique des organisations pan-africaines telles que l'Union africaine et les CER, aussi bien que les organisations de la société civile et les institutions universitaires pour combattre la CTO en Afrique. Le projet ENACT a une des collections les plus importantes de recherche de données en Afrique. Je vous encourage fortement de regarder notre site web et de télécharger les documents qui sont tous gratuits. Nous avons mis la lumière sur certains sujets qui n'ont jamais été soulevés ailleurs. De plus, de ces recherches, l'indice de la criminalité africaine dont le modérateur a fait référence a été lancé en 2019 et sa seconde itération est sortie l'année dernière. L'indice fournit l'outil ultime pour comprendre la criminalité organisée en Afrique. Pourquoi un indice de cette nature? Son objectif est de soutenir les décideurs, de bien comprendre et de bien voir la nature
de la CTO, leur allocation géographique, leur résilience et les tendances à travers le continent. Avec l'indice, on peut mieux comprendre pourquoi il y a certains pays qui sont mieux affectés, mieux touchés et d'autres plus résilients. Ça peut aider les pays de comprendre quelles sont les menaces de la criminalité qui les menacent le plus et que faire pour devenir résilients à la menace. Une découverte de la tendance entre 2019 et 2021, alors que le rapport a été émis dans la version 2021, c'est que dans cette période de 2 ans, la criminalité s'était accrue, alors que la résilience a vu un déclin. Et alors que l'on gagne, cela nous permet de voir où il faut redoubler les efforts. Et nous voyons justement là où on a pris du recul. Comment faire, pourquoi la résilience est en déclin et que faire. L'indice mesure la criminalité qui, en fait, comprend les acteurs et les marchés de criminalité. On mesure aussi la résilience, ça mesure le résultat des actions qui ont été entreprises par les pays qui ont vu un recul de criminalité et qui empêchent la criminalité de revenir dans le pays. Il y a 10 indicateurs pour mesurer la criminalité pour les acteurs et les marchés criminels à travers l'Afrique. Cela inclut le trafic des personnes, le trafic des armes, la contrebande des humains, les crimes contre la faune, les crimes contre la flora, le crime contre les ressources non renouvelables, le marché de la cocaïne, du cannabis, le trafic de toutes les drogues, la heroïne, le cannabis. Nous sommes tout à fait conscients, et la traite humaine, nous sommes tout à fait conscients de ces facteurs, mais ceux-là sont les plus courants à travers le continent. Et l'indice ne peut pas, bien sûr, adresser tous les crimes, mais nous avons, avec ces indicateurs, capté le paysage de la criminalité organisée sur le continent de l'Afrique. Cela, nous avons aussi mesuré 4 catégories d'acteurs. Nous savons qu'ils sont beaucoup plus d'acteurs criminels, mais nous voulions souligner les principaux que nous voyons principalement à travers le continent. Les groupes style mafia, les réseaux criminels, les acteurs intégrés dans l'État et les acteurs étrangers. Nous avons aussi vu à travers notre recherche que ces acteurs, parfois, vous avez des acteurs qui n'agissent que sur les frontières. Leur focus, c'est de faire des affaires illicites entre deux pays. Mais la plus grande majorité des acteurs criminels que nous avons vus en Afrique, à travers nos études, nous avons vu que souvent ce sont des acteurs locaux qui entreprennent des activités criminelles d'une grande envergure, même si ce sont des petites activités. Si on se penche sur la résilience des autres composants principaux de l'indice, la résilience est mesurée par 12 indicateurs qui aident à mitiger l'impact et prévenir la criminalité organisée. Il ne s'agit pas toujours d'un verre qui est à moitié vide ou d'un verre qui est à moitié plein. Ce que nous tâchons de faire, c'est d'avoir un indice qui peut mesurer 2 composantes, la criminalité d'un côté et la résilience de l'autre.
et puis aussi de fournir aux États une plateforme où ils peuvent en fait travailler vers l'amélioration de la situation de la criminalité chez eux. Donc, il est important de bien voir l'indice de cette perspective-là. Ce n'est pas pour pointer du doigt, mais c'est pour vraiment aider les pays à voir où ils se trouvent. Si vous avez un mauvais score dans votre score, il faut peut-être renforcer votre résilience. Si votre résilience est trop faible et la criminalité est trop haute. Les indicateurs clés de la résilience incluent des politiques et des lois nationaux, l'intégrité territoriale, les acteurs non étatiques, les forces de l'ordre, le leadership politique et la gouvernance, l'anti-blanchiment d'argent, un environnement système judiciaire, la transparence du gouvernement, la responsabilité du gouvernement, et puis soutien aux témoins et victimes. Ces indicateurs démontrent les actions qui ont été entreprises par les gouvernements dans ces zones. Quelles sont les lois, par exemple, anti-blanchiment d'argent dans ces pays? Elles sont-elles efficaces? Est-ce qu'elles adressent les points centraux du blanchiment d'argent? En ce qui concerne les leaders politiques, quel est l'engagement qu'ont entrepris les pays, par exemple la ratification des traités internationaux? Ça, c'est une déclaration bien claire à savoir si un pays est sérieux pour combattre la criminalité organisée, à savoir quels sont les traités internationaux qui ont été ratifiés par un pays ou par un gouvernement. Et bien sûr, les traités régionaux et de même. On se penche sur les systèmes qui sont déjà en place de réglementation. Si vous avez des règles trop strictes en place, souvent, les gens fuient et vont vers la criminalité. Donc, il faut, alors, si vous essayez de surréglementer une économie, cela peut vraiment créer des vies qui sont remplies par les criminels. Il faut regarder le système judiciaire. Est-ce que c'est un système juste? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est indépendant? Avons-nous des règles contre la détention? Quelles sont les règles en place pour réguler la détention de personnes ou même d'arrêter les gens? La transparence du gouvernement, la redevabilité, la responsabilité du gouvernement dans ses politiques, est-ce que cela implique d'autres acteurs? Et dans ce cas, on peut aussi vérifier l'indice de la transparence internationale qui vous donnera une idée de la situation dans chaque pays de l'Afrique. On examine les mesures entreprises par chaque pays pour prévenir la criminalité organisée et on examine les mesures entreprises par les pays pour appuyer les victimes, pour détecter les crimes et appuyer les victimes et les témoins et leurs familles. Alors voilà les facteurs que nous utilisons pour déterminer le niveau de résilience dans chaque pays. Et nous savons que en fait, l'ensemble de ces facteurs crée une architecture pour la prévention et le combat contre la criminalité transnationale organisée. Dans l'indice, nous voyons un outil pour normaliser en fait, le langage de ceci, pour aider les États. L'indice, quand nous examinons la performance des États, cela génère un certain montant de pression sur les pays, sur tous les pays qui sont en retard ou qui ont des délais, des problèmes. On voit aussi cet indice en tant qu'outil pour s'adresser à cette approche fragmentée, désordonnée.
Et donc, pour pouvoir en fait voir la CTO d'un point de vue plus large. Et on peut créer des synergies parce que, par exemple, il y a une équipe qui s'occupe des stupéfiants, une autre de la traite humaine, mais elles ne s'entreparlent pas, elles ne se parlent pas les unes aux autres. Avec l'indice, ces équipes sont forcées de se parler. Elles doivent coordonner leurs activités. Avec l'indice, on peut maintenant cartographier la menace géographique en Afrique selon les régions, selon les pays. Et nous espérons que les pays et les États vont aussi cartographier les menaces au sein de leurs frontières pour établir quelles populations et quelles régions sont vulnérables. Les résultats clés de l'indice de 2021 nous disent que la traite humaine est en fait le crime organisé le dominant à travers l'Afrique. Le deuxième résultat, c'est que la majorité ou plus de 60% des personnes en Afrique vivent dans des pays avec un taux élevé de criminalité et dans des pays à faible résilience. Donc, plus de 40% des Africains vivent dans des pays avec une résilience très faible. L'écart entre la criminalité et la résilience s'agrandit à cause de la pandémie. Et donc, l'indice nous dit aussi que les marchés criminels, les acteurs criminels ont augmenté leur influence à travers le continent pendant cette période de la pandémie. Nous avons aussi appris que les acteurs imbriqués au sein de l'État sont devenus plus puissants pendant la pandémie. L'Afrique a le deuxième taux le plus élevé de criminalité au niveau local. Alors, par rapport aux pays qui sont en haut de la liste en Afrique, la République démocratique du Congo a le taux de criminalité le plus élevé, suivi du Nigeria et la République centrafricaine. Vous pouvez vérifier, bien sûr, consulter l'indice pour voir où se trouve votre pays. La corrélation, la dynamique de la criminalité et de la résilience en Afrique. Je vais rapidement synthétiser les cadrans de ceci qui nous montrent le paysage où se trouvent les pays africains sur cet indice. Je vous interromps un instant. Si vous pouvez faire ceci dans une ou deux minutes, enfin en une ou deux minutes, et on va peut-être s'arrêter là parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Parlez-nous des cadrans dans une ou deux minutes. Voilà, les cadrans, c'est la fin de la présentation, en fait. Alors, il y a des pays qui vivent dans une zone de criminalité faible et de résilience élevée. Deuxièmement, le cadran de criminalité basse et faible résilience. Ensuite, criminalité élevée et résilience élevée. Et dernièrement, la criminalité élevée et la résilience faible. Enfin, de compte, la région avec, il y a l'Afrique de l'Ouest, par rapport à la résilience, il y a l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest et d'un certain niveau, l'Afrique du Nord. Alors, je vais vous donner quelques recommandations. Avec cet indice et ces preuves et cette recherche, nos connaissances de la criminalité organisée se sont améliorées. Ça, c'est de bonnes nouvelles pour les acteurs du secteur de la sécurité, tels que les agences de force de l'ordre. Et ça veut dire que la programmation, la budgétisation peuvent être dirigées et adaptées aux problèmes. Les acteurs du secteur de la sécurité peuvent évaluer leur capacité vis-à-vis des menaces pour déterminer, en fait, pour améliorer la résilience. Toute tentative de continuer cette approche militaire du niveau sécuritaire sans utiliser des mesures sociales, politiques, etc., aura de graves conséquences. Et
et bien sûr empirera l'impact de la criminalité organisée dans les régions. Finalement, je dirais que une condition importante dont on n'a pas parlé, mais dont on va reparler, c'est le besoin, enfin une politique ou une stratégie ou tous ces éléments doivent comprendre des mesures pour combattre la convergence et le lien entre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme et l'extrémisme violent. Les études démontrent que la convergence ou le lien entre celles-ci veulent dire que la criminalité organisée devient plus résiliente. Alors, je vous remercie et j'ai hâte d'entendre vos questions à propos de ce sujet. Merci. Merci, Martin, de nous avoir donné cet aperçu de l'indice et des résultats clés qui sont ressortis de ceci et les cadrans de cet indice qui classifie chaque pays. Et cela peut aider dans la poursuite de réponses politiques et pour évaluer les marchés criminels, etc. Et vous nous avez parlé des 12 indicateurs. Alors, nous avons hâte d'approfondir ce sujet à propos de l'indice. Avant ceci, nous allons donner la parole à Nantenay. À maintenant, nous donner une présentation pendant 15 ou 20 minutes pour décrire et classifier quelques risques sécuritaires ainsi que des vulnérabilités auxquelles font face les États membres de la CEDEAO en relation à la criminalité transnationale organisée dans la région. Elle va aussi nous parler un peu des conséquences de la CEDEAO dans la région qui font que la CEDEAO soit une priorité ou un concern sécuritaire et politique. Et puis, elle va aussi discuter ses recommandations pour les leaders dans le secteur de la sécurité en Afrique, des recommandations, des choses à considérer, surtout à propos d'une autre partie de ses travaux sur l'alerte précoce. Alors, quelles sont ses recommandations dans le domaine de l'alerte précoce qui se porte à la réponse à la CEDEAO? Et je dois ajouter aussi que Mme Koulibaly, il était une fois, a fait partie de ce programme, en fait. Alors, elle est ancienne de ce programme-ci. Alors, elle connaît bien votre position maintenant et ce que vous êtes en train de faire avec nous ici à Washington. Je vous remercie, Catherine. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chers collègues. Martin, c'est un plaisir d'être là. Hein, comme Catherine l'a dit, j'étais là il y a quelques années. Vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Je peux y aller, là? J'entends Mme l'interprétation. Il me semble que l'interprétation a des problèmes. Une seconde. D'accord. I think I was just hearing Nantenay. What's going on our end? Je crois que je l'entendais il y a un instant. Nantenay, mais c'est très bas. Hi, but Carla. The sound is very low. Okay. Vous avez appliqué sur le bouton qui ressemble à un globe pour sélectionner le français pour parler bien dans sûr. La chaîne française? Bien sûr, je l'ai fait. Okay. I did. Est-ce qu'on m'entend là? Oh, maybe I should just put the original audio and speak in French. All right. I don't know what the problem is.
Vous m'entendez? Vous m'entendez? Parfaitement. Je ne vois pas le problème. Fait une petite pause avec nous pendant que ici nous avons trouvé la source du problème. Je crois que c'est bon. D'accord. Maintenant. Aucun problème. J'attends. OK. Madame Koulibaly, la parole est à vous. D'accord, je vous remercie. Vous m'entendez bien là pour l'interprétation? Oui. All right. Parfait alors. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un plaisir d'être là. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait, comment on appelle ça, quelques années que j'ai participé justement à cet atelier-là. C'est un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir échanger sur les dynamiques de criminalité et de montrer un peu la spécificité de la région CEDEAO. Sans perdre de temps, je pense que quelques repères historiques peuvent nous permettre de comprendre ce qui suit. C'est que, comme Martin l'a dit, la région de la CEDEAO a commencé à servir de lieu de transbordement de la drogue dans les années 50. Les trafics sous leur forme contemporaine sont apparus dans les années 70 avec notamment les réseaux de contrebande et de produits provenant du nord du continent. Dans les années 80, un essor important de la contrebande a été noté avec des produits comme les biens de consommation et également la cigarette. Et nous savons tous également que les guerres civiles dans la région du fleuve Mano, notamment au Libéria et en Sierra Leone, ont accru la demande et l'offre en armes. Et cela a également généralisé le trafic de minerais. Depuis près de 4 décennies, la communauté internationale a sonné l'alerte pour une alliance mondiale contre la criminalité transnationale organisée. La CTO peut être regroupée en trois grandes catégories, hein, comme vous pouvez le voir sur le premier diapo. D'abord, il y a la fourniture des marchandises, hein, qu'il s'agisse de la drogue, qu'il s'agisse des armes, bien entendu, des ressources naturelles, minières, de la pêche illégale, etc. Il y a la deuxième catégorie qui consiste en des services illicites à des fins commerciales, avec le trafic de personnes, avec le trafic de migrants, bien entendu, pour exploitation sexuelle, ou la pédopornographie en ligne, etc. Et la troisième catégorie, les infractions d'entreprise, de gouvernement et d'autres vols de biens, avec bien entendu la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux, et nous avons également les flux illicites, financiers illicites. Pour parler des tendances, next please. Les incidents liés à la criminalité organisée les plus signalés dans la région, peut-être pour expliquer d'où viennent justement ces cartes et ces données que vous voyez, que vous visualisez, nous avons au niveau de la CEDEAO, à la direction de l'alerte précoce, un réseau qui s'appelle ECOWARN, qui est le ECOWAS Early Warning and Response Network, qui comprend 77 moniteurs qui sont dans les 15 États membres de la CEDEAO et qui nous aide justement à collecter les informations relatives à la sécurité humaine, dont justement fait partie les questions de criminalité. Font partie des questions de criminalité. Donc, ces tendances que vous voyez viennent des données qui sont envoyées sous forme de rapport de situation 2 fois par mois et sous forme de rapport d'incident à chaque fois qu'il y a un incident ou un événement majeur qui affecte la région. Le premier problème qui touche bien entendu la région de la CEDEAO, le trafic de drogue. Catherine en a parlé à l'entente de son propos. Nous avons aujourd'hui 2 principaux hubs pour la réception et la redistribution des cargaisons de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Il y a la plaque tournante nord qui rayonne depuis la Guinée-Bissau, la Guinée, la Gambie, la Mauritanie et le Sénégal. Les cartels sud-américains semblent bien établis dans ce hub, en particulier en Guinée et en Guinée-Bissau. Il y a également la plaque tournante sud qui est centrée autour du Nigeria, du Bénin, du Togo, du Ghana.
Et nous savons tous également la technique du rip-off, hein, qui consiste à ouvrir frauduleusement un conteneur pour y placer un colis. Et cette technique permet de faire transiter de larges quantités de drogue, hein, quand il s'agit de la cocaïne, depuis les pays de production jusqu'aux pays de transit, qui sont les pays de la région de la CEDEAO. Nous savons par ailleurs aussi que la région de la CEDEAO est une zone de forte production et de forte consommation de cannabis. Et de plus en plus, la région devient une région de production de drogue de synthèse et de consommation de drogue de synthèse ou d'autres substances psychotropes, bien sûr, qui sont fabriquées dans des laboratoires qui sont installés au Nigeria, en Guinée et en Sierra Leone de plus en plus. Un autre problème, toujours concernant le trafic de drogue, nous avons l'utilisation non médicale d'opioïdes pharmaceutiques et de sirops contre la toux, mais qui contiennent de la codéine. Ça, c'est un phénomène alarmant parce qu'il y a eu des saisies spectaculaires qui ont eu lieu de tramadol avec un dosage pouvant aller jusqu'à 225 mg alors que ce qui est autorisé, c'est 50 mg. En 2021, en septembre passé, 2,5 tonnes de cocaïne ont été retrouvées et saisies dans un entrepôt à proximité de Porto Novo au Bénin. Le 1er avril 2022, récemment, 5,6 tonnes de cocaïne ont été saisies au Cabo Verde à bord d'un bateau de pêche en provenance du Brésil. Un autre problème qui touche la région, c'est le trafic de faux médicaments. Selon l'OMS, depuis 2013, 42% des médicaments qui sont saisis dans le monde l'ont été sur le continent africain. Plus de 100 000 personnes meurent chaque année du fait justement de ces faux médicaments. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un des business les plus lucratifs, puisque la Fédération internationale du médicament estime qu'il suffit d'un investissement de 1 000 $ pour générer 500 000 $ de profit. En fin mai 2022, au Sénégal, les autorités ont saisi des médicaments, de faux médicaments, d'une valeur de 1,7 million d'euros. Et pendant ce temps, en Guinée, il y a 250 conteneurs illicitement importés qui sont bloqués depuis 3 mois dans le port de Conakry. Un autre problème majeur dans la région, concernant toujours la CTO, c'est le trafic d'armes. Les Nations Unies estiment qu'il y a environ 500 millions d'armes légères illicites qui circulent dans la région de la CEDEAO et 70% de ce stock circule au Nigeria seulement. Donc, près de 350 millions de ces armes sont au Nigeria. Nous connaissons effectivement les différents circuits du trafic illicite d'armes. Il y a bien entendu eu, à un moment donné, les fuites de stocks d'armes depuis la Libye vers la ceinture centrale du Sahel. Mais nous savons également que toute la bande côtière, toute la partie côtière de la région ouest africaine est une porte d'entrée de certains biens illégaux, y compris les armes à feu. En janvier 2022, pour reparler de la douane sénégalaise, elle a arraisonné un navire transportant 3 conteneurs chargés de munitions de guerre d'une valeur estimée à près de 4,6 millions d'euros. Et les recherches sur le terrain ont montré une chose, c'est que quand il s'agit de conflits internes, ce sont les armes qui sont fabriquées localement qui déciment plus les communautés que d'autres armes. Donc la fabrication locale, c'est une préoccupation majeure également. Le trafic de migrants, Caroline en a parlé. Les incidents de Ceuta et Melilla en 2005 ont marqué le début d'une attention internationale sur la question de la migration irrégulière, tout le monde le sait. Aujourd'hui, nous avons encore des trafiquants de personnes et des passeurs de migrants qui opèrent quotidiennement dans toute la région de la CEDEAO. Pratiquement tous les États membres de la communauté sont aussi bien des pays de départ que des pays de transit pour justement le trafic humain, le trafic de personnes et le trafic de migrants. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'État de Edo au sud-est du Nigeria ou Tambacounda dans le sud-est du Sénégal, des communautés entières, des familles entières financent les projets de migration de leurs enfants, même s'ils savent que c'est mortel. S'agissant de la piraterie maritime, puisque nous parlons toujours des tendances les plus lourdes, environ 1 500 pétroliers, bateaux de pêche et cargos naviguent quotidiennement dans les eaux du golfe de Guinée, ce qui est une des zones les plus dangereuses au monde pour la piraterie. Le vol, l'exploitation et la contrebande de pétrole constituent un problème majeur pour un pays
comme le Nigeria, bien entendu, qui est le premier producteur de pétrole sur le continent. Le Bureau maritime international a démontré qu'il y avait une baisse. Cependant, en 2021, avec seulement 34 incidents, comparé aux 81 incidents qui ont été recensés en 2020 dans la région. Et aussi les enlèvements en mer, qui sont très lucratifs d'ailleurs, parce que 70% des embarcations qui sont utilisées facilitent justement le kidnapping en mer. Donc les enlèvements en mer ont aussi connu une chute de près de 55% en 2021. Un problème qui touche surtout les communautés locales, et c'est extrêmement important de le citer, ce sont les accidents qui sont dus à l'extraction illégale, au stockage et au raffinage du pétrole, qui sont bien entendu fréquents et très dramatiques. À la date du 22 avril passé, 110 personnes ont perdu la vie dans une explosion dans l'état de Imo, au sud-est du Nigeria. La pêche illicite, elle cause une surexploitation de 30% des réserves halieutiques de la région de la CEDEAO. L'Union européenne l'a certifié. Près de 1,9 milliard d'euros sont perdus chaque année à cause de la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Et la conséquence, c'est quoi? La migration irrégulière vers l'Europe, notamment vers les îles Canaries, avec des pirogues de pêche artisanale, puisque les jeunes pêcheurs n'ont plus la capacité de pêcher pour survivre avec leur famille. Au Sénégal, par exemple, un des pays les plus affectés dans la région, le désespoir et le manque de perspective a poussé des centaines de jeunes à investir dans ces aventures. Et bien sûr, entre 2020 et 2021, il y a eu des centaines de morts du fait de la migration clandestine. Et bien entendu, nous savons tous que la corruption est un facilitateur du business illicite. Et c'est un problème majeur, bien entendu, parce que c'est l'une des meilleures armes des trafiquants. Quand l'argent est sur la table, la discussion va plus vite. Maintenant, parlons des moteurs de la CTO et des conséquences pour la gouvernance, la stabilité et le développement économique, bien entendu. Plusieurs études d'évaluation de la vulnérabilité, Catherine, vous en avez parlé, la vulnérabilité au conflit, ont démontré que la criminalité est un facteur important, un facteur majeur plutôt, déterminant de la paix et de la sécurité. Je suis la thématique crime et criminalité qui est articulée autour de trois piliers qui sont justement la violence basée sur le genre, puisque c'est l'approche sécurité humaine qui est l'approche de la CEDEAO, et la sécurité individuelle, le deuxième pilier, et la criminalité transnationale organisée, qui est le troisième pilier. Et à un moment donné, on verra que ces trois sont impliqués. Aujourd'hui, on sait également que toute analyse de la CTO doit tenir compte de l'évolution historique spécifique du phénomène. Martin en a parlé tout à l'heure, en examinant bien entendu le contexte socio-économique, la politique générale qui a rendu la région de la CEDEAO particulièrement vulnérable à ce genre de crime. Et là, il s'agit bien entendu des circonstances économiques difficiles, caractéristiques des dernières décennies. Il s'agit également de la guerre civile. Nous ne pouvons pas laisser en rade la faiblesse de la gouvernance et de la capacité de l'État. Nous ne pouvons pas oublier les conditions spécifiques propices aux pratiques de corruption. Il y a aussi la mesure dans laquelle certaines formes d'activités criminelles organisées sont simplement acceptées comme des activités commerciales normales par les auteurs, surtout les communautés locales. Et un facteur sous-jacent extrêmement important, c'est la rentabilité. Le business rapporte de l'argent. Le business rapporte beaucoup d'argent. Quelques exemples juste pour montrer cette rentabilité. Le Nigeria est le premier pays de producteur de cannabis dans la région de la CEDEAO. C'est 200 millions pour les agriculteurs et 12 milliards pour les trafiquants. Le hawala, qui est de plus en plus utilisé par des réseaux criminels dans leurs opérations, y compris pour le financement du terrorisme, sans possibilité de traçabilité bancaire. Vous savez tous en quoi ça consiste. Les flux financiers illicites prive l'Afrique de près de 88,6 milliards de dollars chaque année, selon la Knesset. La Sakawa au Ghana, la Sakawa montre
l'interconnexion entre criminalité organisée et la sécurité personnelle. Dans la mesure où la Sakawa, ce type d'homicide est interprété comme étant un sacrifice ou des rituels en vue d'avoir le succès dans une activité de cybercriminalité, par exemple. Donc, vous voyez un peu le lien entre les homicides et les activités de cybercriminalité. En 2021, le Nigeria a perdu au moins 3,5 milliards de revenus à cause du vol de pétrole brut. 2 milliards d'euros de pertes à cause de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, selon l'Union européenne. Et la liste continue. Et la liste continue. Mais c'était juste pour vous donner quelques exemples pour illustrer ces facteurs sous-jacents qui est la rentabilité et qui fait que ce n'est pas demain la veille que ce business va s'arrêter. Nous savons, d'après ce qui a été dit un peu plus haut, que le crime organisé est une opportunité. C'est une alternative économique pour beaucoup de citoyens, pour beaucoup de communautés qui sont impliquées localement, justement, dans ces réseaux. C'est un moyen de survie et c'est une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est extrêmement important. Catherine a demandé de parler des conséquences, bien entendu. Les conséquences sont multiples. Il y a la multiplication des groupes de combattants. Nous avons des risques, surtout dans les zones à conflit. Nous avons aussi les risques accrus de conflits ethniques ou sociaux. Il y a également le déplacement de communautés. Il y a les antagonismes qu'il ne faut pas ignorer. Nous avons aussi l'abandon de la souveraineté de l'État aux criminels, surtout dans les zones grises et dans les États fragiles. Il y a le déficit notoire du monopole de l'État. Vous en avez parlé. L'érosion de l'État de droit, l'instabilité, la corruption, le financement d'acteurs non étatiques armés. Et surtout, c'est très préoccupant, le niveau croissant de consommation de tout type de drogue aujourd'hui dans tous les pays de la CEDEAO. Les réponses qui sont apportées justement au problème se sont malheureusement traditionnellement concentrées sur la justice criminelle ou les mesures de sécurité plutôt que de s'attaquer au problème de façon globale, de façon holistique et d'investir dans la prévention. C'est là où le bât blesse. Martin l'a dit dans son propos, les cadres légaux sont en place au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Au niveau national, la méthode coercitive avec le mécanisme répressif, il marche avec des succès et les succès des organismes d'application de la loi, principalement en raison de leur réalisation connue du public. On a saisi tant, on a arrêté telle personne, on a fait donc ça, le public sait qu'il y a justement ces avancées, même si souvent les saisies ne sont qu'un petit pourcentage par rapport à ce qui est réellement passé par l'État membre en transit. Donc, plusieurs instruments juridiques aussi ont été adoptés au niveau régional pour combattre justement les crimes émergents persistants de piraterie et de terrorisme, par exemple. Il a parlé, Martin, des différentes stratégies, bien entendu pour la CEDEAO, la stratégie maritime intégrée, la stratégie antiterroriste, la stratégie du Sahel, qui est en train d'être revue présentement. Mais bien d'autres instruments aussi pour combattre d'autres types de CTO que la région a adopté. Le plan d'action régional de lutte contre le trafic illicite de drogue, la décision portant création du GABA, qui s'occupe principalement de tout ce qui est blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, qui est basé à Dakar. La déclaration politique de la CEDEAO sur la prévention et l'abus de drogue, etc. Vous pouvez nous entendre. Désolée, c'était un coupure de notre part. Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Non, pas de souci. Désolée. Vous étiez en train de faire vos conclusions. Alors, nous avons entendu la première partie sur l'idée que ça doit être holistique, préventif, pas seulement axé sur la sécurité et la justice criminelle. Mais tout si vous pouvez prendre deux ou trois autres minutes pour conclure, pour nous présenter vos autres recommandations, s'il vous plaît. Alors, non, ce que je disais, justement, une décision prise pour la prévention, puisqu'il n'y a pas assez d'investissement dans la prévention, c'est du côté de la CEDEAO, c'est la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui les mécanismes nationaux d'alerte précoce et de réponse, qui donnent plus de responsabilités aux pays de la communauté dans la lutte contre l'insécurité humaine, y compris la criminalité, la CTO. Ça, c'est clair. Alors, pour parler des vulnérabilités, encore une fois, Catherine,
Il est important de comprendre que le cercle vicieux de la vulnérabilité attire la criminalité et la criminalité, à son tour, approfondit la vulnérabilité. Un certain nombre de vulnérabilités ont été justement détectées dans tous les États membres de la CEDEAO lors des exercices que nous avons conduits entre 2017 et 2019 pour évaluer justement les risques, les vulnérabilités, mais également les résiliences dans les États membres. Et c'est assez choquant de voir tout simplement l'ampleur du problème et surtout l'ampleur et le nombre de vulnérabilités structurelles qui font qu'aujourd'hui, on doit investir dans la prévention si on veut vraiment sortir de l'ornière. Et aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, bien entendu, toutes les activités criminelles sont facilitées par des vulnérabilités endémiques, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, telles que la corruption et les possibilités d'investir et de blanchir les produits du crime. Il est important aujourd'hui d'assurer la formation soutenue et le renforcement régulier des capacités des organismes d'application de la loi. Il est également important de fournir des outils modernes pour le partage d'informations et de renseignements, le renforcement des États membres pour améliorer leur législation et développer une réponse éclairée en termes de justice pénale, ça c'est fondamental, la promotion de la coopération internationale et la prise en compte aussi d'initiatives globales et de coordination. Le dernier point qui est extrêmement important, c'est la promotion de la recherche sur la criminalité. Nous ne pouvons pas passer notre temps à couper l'arbre à la surface sans pour autant traiter les racines du mal. Et c'est à travers la prévention justement que nous pouvons traiter les racines de ce mal-là. Extrêmement important. Très rapidement, Catherine, il est important que les auditeurs comprennent qu'il y a un certain nombre d'institutions et d'initiatives qui sont mises en place au niveau régional pour prévenir justement la criminalité transnationale organisée. Nous avons d'abord le programme, l'initiative WACSI, qui est l'initiative pour la côte ouest africaine, qui a été lancée en 2009 et qui est un cadre d'assistance conjointe visant à mettre en place des unités de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il y a également le projet AIRCOP, que tout le monde connaît, qui est un projet multi-agence mis en œuvre par l'ONUDC en partenariat avec Interpol et l'Organisation mondiale des douanes, qui vise à déstabiliser les réseaux criminels dans les pays d'origine, de transit et de destination. Nous avons aussi le WACAP, qui est le réseau ouest-africain des autorités centrales et des procureurs, qui a été créé déjà en 2013 avec la Cour de justice de la CEDEAO, pour renforcer la capacité des procureurs et des magistrats contre diverses formes de criminalité organisée et grave. Il y a un projet aussi qui est le projet de contrôle de conteneurs élaboré par l'ONUDC et qui a permis aujourd'hui, avec l'Organisation mondiale des douanes, qui a permis justement de faire des saisies énormes dans tous les pays de la communauté. Un projet important, et c'est le dernier, c'est le SIPAWO, qui est le système d'information de la police ouest africaine. Un partenariat entre Interpol et la CEDEAO. Ce projet est effectif dans 13 États membres sur 15. Aujourd'hui, il y a plus d'un million de données qui sont déjà connectées dans ces 13 pays. Ce qui reste, quand on aura bouclé les deux autres pays qui restent, c'est de mettre en œuvre le projet au niveau régional, c'est-à-dire en connectant tous les systèmes de police nationaux. Et ensuite, la troisième phase, connecter ce système régional au système international à travers, bien entendu, la collaboration avec Interpol. Je vais conclure mon propos, Catherine, en parlant du projet sur lequel la CEDEAO s'est investie en ce moment, qui est le projet OCWATI. C'est Organized Crime in West Africa Response to Trafficking. Et ce projet aide les États membres à réduire justement le crime transnational organisé en renforçant les structures, les capacités et en améliorant les connaissances, le contrôle des armes légères et en réduisant la traite des personnes. Et à ce OCWATI s'ajoute le OCWAM qui cible spécifiquement le blanchiment d'argent, M money laundering, le blanchiment d'argent, et le OCWACI qui cible la cybercriminalité. Donc nous avons ce triangle pour essayer vraiment de façon holistique de gérer ce problème-là. Avec OCWATI aujourd'hui, dans lequel je travaille directement avec les collègues, nous avons un acte additionnel sur la criminalité organisée qui est sur la table et un plan d'action qui sont en train d'être finalisés pour que ça soit adopté par les chefs d'État. Et il y a aussi un cadre de résistance, de résilience au crime organisé qui est en cours d'élaboration en partenariat avec ASS, Martine le sait, et avec GI Talk aussi.
et il y a 2 mois, très important, pour la première fois, nous avons mis en place ce qu'on appelle WANOC, qui est le West African Research Network on Transnational Organized Crime. C'est le premier réseau de chercheurs africains, donc venant des pays africains, de l'Afrique de l'Ouest, qui s'investissent dans la compréhension, la recherche et la prévention du crime organisé dans la région. La direction de l'alerte PECOS pour laquelle je travaille est en train de développer aussi un index sur la sécurité humaine, pas sur le crime organisé, mais sur la sécurité humaine dont fait partie le crime organisé, de même qu'un projet d'infrastructure de la paix dans les États membres. Et mon dernier mot, c'est que l'anticipation et la prévention coûtent beaucoup moins cher. Et je pense que les auditeurs et vous-même, vous en conviendrez avec moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Koulibaly, pour votre présentation qui a touché sur beaucoup de différents éléments, comme celui de Martin. Je crois qu'entre les deux, nous avons beaucoup appris, pas seulement en termes de sources de données qui sont disponibles dans plusieurs domaines, mais aussi les différents types de criminalité, leur contexte, avec l'exemple de la région de la CDAO. Mais aussi, on a entendu dire de la part de Mme Koulibaly aussi quelques exemples de programmes qui sont déjà en place dans la région, qui sont en train de toucher sur ces thèmes, sur ces défis, de quelques manières différentes, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la justice criminelle, ainsi que la coopération et coordination inter-agences. Alors, merci pour ces exemples.